Grâce à la mobilisation de toute l'équipe, Lali a pu garder Diego. Johanna est revenue seule à Love Island. Elle a découvert que Christian avait non seulement une autre petite amie avec laquelle il partageait son temps, mais aussi une femme et un enfant. Apprenant que Jeanne était en prison, Nicolas a pris l'avion pour Paris, laissant Hélène seule à la cabane. Vous avez raison. C'est magnifique. Mademoiselle McAllister, quel bon vent vous amène. Je vous avais dit que je reviendrais vous voir. Ouais, je pensais pas que ce serait si tôt. Ah, il ne faut jamais perdre de temps d'affaires. Votre fiancé n'est pas là? Quel fiancé? J'ai pas de fiancé. Nicolas, c'est ça? C'est bien lui qui habite cette cabane, normalement. Ouais, mais il est à Paris. Savez-vous quand il sera de retour? Dans quelques jours, je pense. Il y a un message à lui faire? Je venais lui parler affaires. Vous vous souvenez de ma proposition? Ah oui, oui. Mais je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit. Happy Ben n'est pas à vendre. Écoutez, je vais jouer franc jeu. Je sais que vous avez payé ce terrain 50 000 $. Je vous en offre 100 000. Vous doublez la mise. Mais ça change rien, c'est toujours pas à vendre. C'est ridicule, 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, vous savez. Peut-être. Mais ce terrain nous appartient. Et on n'a pas envie de le voir défiguré par des blocs de béton. Je suis désolée. C'est drôle. Vous me faites penser à ma sœur. Elle était exactement comme vous. Elle avait de grandes idées sur la nature, l'écologie, la préservation des sites. Et pourquoi était-elle? Vous avez réussi à lui faire changer d'avis? Non. Elle est morte. Un soir, elle s'est ouvert les veines. À croire que ce monde si merveilleux ne suffisait plus. Elle a voulu en connaître un autre. Je suis désolée pour vous. J'adorais ma sœur, vous savez. Sa mort m'a fait comprendre qu'une seule chose compte. La réussite. À mon avis, vous n'avez rien compris du tout. Peut-être. Mais au moins comme ça, ça marche. Bon, eh bien, reparlez à Nicolas de mon offre. Mais j'y manquerai pas. Je connais déjà sa réponse. Nous verrons bien. Merci, mademoiselle. Au revoir. Au fait, vous connaissez José, je crois. Oui, pourquoi? Dites-lui bonjour de ma part. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais à balayer la terrasse comme ça le matin de bonne heure? Ben, la Vendée hier soir a balancé plein de trucs. Il dort encore ton petit ange? Ah ouais, et il m'a laissé dormir toute la nuit. Tu peux pas savoir combien ça fait du bien. Et toi, ça va? Comme quelqu'un qui s'est fait rouler dans la farine. Mais ça va aller, je vais me remettre. Coup de balai, ça chasse ses idées noires, comme on dit. Non, écoute, t'en fais pas, tu vas vite l'oublier. Puis, tu méritais pas. Je sais. Je sais que je suis quelqu'un d'exceptionnel, Lali. Mais des fois, les gens comme nous, on se contente de peu de choses. Écoute, chérie. Christian, c'était rien. Et toi, tu vaux mille fois plus. Merci. Oh, papa, t'as pas de moteur sur ta poubelle? José, ça va, on n'est pas si pressé que ça, tu sais. J'ai le bureau à ouvrir, moi. Hey, ça va, ton boss n'est pas là? Mais justement, tout retombe sur moi. Mais il y a Hélène! Je suis une nonna, c'est pas pareil. Ah ouais, parce qu'elle n'est pas capable d'ouvrir un bureau. Si, si, mais s'il y a problème, je peux faire être là, c'est tout. Oh, espèce de macho, va. Mais je suis pas macho, au contraire. Je veux la protéger, moi.
Imaginez qu'il lui arrive quelque chose pendant l'absence de Nico. Hein? Ouais. Et qu'est-ce qui te veut qu'il lui arrive? Je sais pas, moi, n'importe quoi. Ouais. Hey, tu vas être d'une humeur de chien comme ça jusqu'au retour de Nico? Je suis pas d'une humeur de chien, merde alors. Si? Non, je suis pas d'une humeur de chien. J'ai envie d'être à l'heure, c'est tout. C'est vrai, quoi. Et hop, tout le monde descend. Hop. Merci, José. Allez, dépêche-toi, tu vois bien que tu me mets en retard. Oui, j'arrive. Ouais, bon, ça va aller. Bonne journée, les amoureux. Ciao. Sacré José. Il est en pleine crise des responsabilités. Tant mieux, ça les fait du bien. Comme ça, il pense moins à draguer les filles. Allez, viens. Nico, ça me fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Bah, très bien. Waouh. Oh, bah, excuse-moi, je suis un peu encombrante. Hein. T'es magnifique. Ouais, enfin, n'exagère pas quand même. Viens, entre. T'aurais pu me prévenir que t'arrivais. Bah, j'allais pas te faire venir à l'aéroport. Je voulais t'éviter les embouteillages. Attends, je suis pas impotente, hein. Tiens, pose tes affaires, là. Bien, ça va, dis donc. Ouais, j'ai récupéré l'appart de Lali. Elle a été adorable. Elle m'a laissé quand elle est repartie pour Love Island. Elle va bien, faite? Elle y va bien, Stéphane et Diego aussi. Mmh. Tiens, à propos, fille ou garçon? C'est une petite fille. Bon, c'est aussi joli que sa maman. Flatteur. Assieds-toi. Tu veux voir quelque chose? Non, merci, ça va. Tu sais, je crois que c'est bien que tu sois venu t'occuper de Jeanne. Hélène m'a convaincu. Sacrée Hélène. Je comprends pas ce qui a pu lui arriver à Jeanne. T'as réussi à avoir quelques détails? Rien. Bon, je vais quand même faire un petit café. Je suis tellement contente que tu sois là. Bonjour, monsieur le milliardaire. Bonjour, mademoiselle la directrice. Tu t'es levée à l'aube ce matin? Oui, je suis passée à la cabane de Nicolas. Je leur ai fait une nouvelle proposition. Ah. Et il l'a refusée, bien sûr. Lui, non, mais j'ai vu la fille qui vit avec lui, mais qui refuse de dire qu'elle est sa fiancée. Hélène, c'est ça? Mmh. Hélène. Mmh. Tu dis que Nicolas est à Paris? Mmh. Pourquoi? Non, non, pour rien. C'est donc Hélène qui t'a envoyé balader? Absolument. Je vois que tu les connais bien. Oh oui. Y a rien à faire avec eux. Pourquoi tu t'acharnes sur ce bout de terrain? Parce que je l'ai décidé. C'est vraiment un endroit idéal pour notre programme. C'est-il porte-malheur à tous ceux qui y touchent? Crois-moi. Peter, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux croire de telles sornettes. Ce ne sont pas des sornettes. Je l'ai vécu. Regarde ce qui arrive à Eve et regarde ce qui m'arrive à moi. Eh bien, moi, je crois que le mauvais sort est vaincu. Dans les minutes qui suivent, il ne va t'arriver que des choses agréables. Qu'est-ce que tu racontes? Mon prochain rendez-vous est dans 30 minutes tout juste. Je peux pas être un petit peu sérieuse? Oh, écoute. Tu m'as fait perdre la mort, je m'étais trouvée, alors maintenant tu assumes. Salut, chef. Oh,
Ah bah José, dis donc, t'es en avance. Bah ça roulait pas trop mal ce matin. T'as des nouvelles de Nico? Ouais, il m'a appelé de l'aéroport pour me dire qu'il était bien arrivé. Bon bah tant mieux, moi les avions ça m'a toujours angoissé. Mais t'es pas obligée de venir si tôt, hein. Je peux me débrouiller toute seule. Ah mais ça me dérange pas. Bonjour quand même. Ah bah bonjour. C'est bizarre ça. Quoi? Bah Nico part à Paris pour s'occuper de Jeanne. Une fois arrivé à l'aéroport, il t'appelle pour dire que tout va bien. Ah, et alors? Bah alors, je sais pas, je me pose des questions. À part ça, ça va toi? Mais à part cette montagne de papier qu'il faut remplir, tout va bien. Bon. Tu regardes pas le temps où tu naviguais sur les flots maintenant? Bah si, ça m'arrive de temps en temps. Tiens, en fait, j'ai un bonjour à te transmettre. D'une certaine Audrey McAllister, tu connais? Bah ouais, c'est la meuf de Watson. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-là? Bah moi, je sais pas, hein. On m'a juste dit, tu diras bonjour à José. Elle est passée ce matin à la cabane pour me refaire une proposition pour le terrain. Putain, c'est vraiment des vautours. Bon, le programme aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le programme? Ah oui, c'est un couple avec des enfants pour Nevy, ça devrait être cool, non? Ouais, quoique des mômes, c'est pas toujours cool. Enfin, on verra bien. Tiens. Tiens. Et bien. Mais oui, Madame Motin. Oui, avec plaisir. Très bien. Bon, bah écoutez, on se donne rendez-vous demain à 15h. Très bien. Au revoir. Oh. Bon, eh bien, apparemment, la maison l'intéresse. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie mes relevés de compte. Parce que je craignais tous les chèques qu'il m'a fait Christian sans provision. Ah, mais quel salaud, ce type. Tu te rends compte? Bah oui, très bien, hein. Ça suffit que je regarde mes relevés de compte. J'ai 30 000 francs de découvert. Bah, si tu veux, j'ai mis un peu d'argent de côté, si t'as besoin d'aide. Oh, c'est gentil, t'inquiète pas. Je m'arrange avec les banques, ça devrait y aller. Oh. Mais je te jure, si je tenais cette espèce de petit... Allez, vas-y, dis-le, ça soulage. Oh, ce petit con. Oh, quel con, Laure, quel con. Tu vois, ça fait du bien. Tu sais ce qui me soulagerait? C'est de mettre ma main dans sa figure. Je sais pas pourquoi j'ai pas piétiné avant de partir. Mais je te jure, la prochaine fois que je rencontre un mec qui s'appelle Christian, mais j'échange de trajectoire. Ou je vais prendre un hélicoptère, ou je vais sauter d'un building, ou je vais péter des tranches. Mais je vois qu'on s'amuse bien ici. Vera, mais... Oh, ça va? Oh, je te dérange pas, moi? Non, mais pas du tout, mais c'est incroyable. Mais... Attends, Lali, je te présente Vera. Je peux dire ma collègue, hein, parce qu'elle s'est fait autant plumer que moi par Christian. Bah, présenter comme ça, c'est plutôt drôle. Je suis vraiment désolée pour vous. Non, mais ça va. Je crois que je m'en remettrai. Enchantée? Enchantée. Alors, Vera, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, mine de rien, j'étais quand même un petit peu dégoûtée par les Bahamas. Alors, comme il me restait quelques jours de vacances, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir Johanna? Mais c'est une excellente idée. Je suis super contente de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Au fait, tu connais la dernière de ton ex? Ah, papa, allez-y doucement, elle vient à peine de s'en remettre. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Bien, le jour de mon départ, il est venu me demander de lui prêter mon bracelet en diamant pour la journée. Et devine pourquoi? J'ose même pas imaginer. Bah, pour l'offrir à sa femme. Non, mais il m'a assuré qu'il s'arrangerait pour qu'elle le perde avant le coucher du soleil. Comme ça, il pourra me le rendre. Pas mal, non? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là 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 là. On est là dans une demi-heure. Mais non, on a dit 1 heure. Ah oui, dans 1 heure. Allons-y. Sacré Jimmy. Toutes les filles craquent sur lui. Ouais, elle a le succès. Oh, excuse-moi. Non, c'est rien. J'ai été sa petite amie, je ne le suis plus, tu sais. On dirait que tu le regrettes. Ça ne sert à rien de regretter ce qu'on a perdu. Et vous êtes restés longtemps ensemble? 3 ans. Presque 4.
Et tu l'aimes toujours? C'était déjà arrivé de prier toute une nuit pour que le jour ne se lève pas, afin de ne plus passer un seul instant sans celui que tu aimes. Disons que je l'aurais pas formulé comme ça, mais oui, ça m'est arrivé. Et voilà. Tu comprends ce que je ressens? Il le sait. Je lui ai dit. Et alors? Bah, rien. Il m'a regardé, il a baissé les yeux. Et puis c'est tout. Tu lui en parles pas surtout? Non, non, t'inquiète pas. Je sais trop ce que c'est que d'aimer sans espoir. Tu parles de Lali, c'est ça? Oui. Tu vois, il y a quelques jours, j'avais décidé de lui parler. Mmh. Ben, j'y suis toujours pas arrivé. Ouais, je comprends tout à fait. Et voilà. Je t'ai vraiment dit tout ce que je savais. Et en fait, si t'avais pas croisé Pierre par hasard, j'aurais jamais su pourquoi la Jeanne m'avait envoyé cette lettre. Et elle disait vraiment qu'elle voulait rompre? Ça va me rester clair. Remarque, faut la comprendre, hein. Retourner en prison après avoir vécu ce qu'elle a vécu avec toi, c'est un cauchemar. Ben pourquoi elle m'en a pas parlé? Mais pourquoi? Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, c'est dur de lui dire que t'es pas forcément celle ou celui qui croyait. Je constate qu'elle a pas confiance en moi, c'est tout. Mais non. Elle voulait pas que tu la vois avec un autre regard. On aurait qu'à dire ça. Viens, je vais te montrer ta chambre. Non, non, tu ne déranges pas, j'ai pris un petit hôtel, t'inquiète pas pour ça. Attends, tu plaisantes? Je passe ma vie à parler à ce bébé qui doit déjà penser que sa mère est une belle radoteuse. Alors pour une fois que j'ai quelqu'un avec qui discuter... Bon, bah si je peux soulager cette petite, je reste. Allez, suis-moi. Ah, au fait, tu m'as bien dit que t'avais l'adresse de Pierre. Bah oui. Mais j'ai essayé de téléphoner au numéro qu'il m'avait donné plusieurs fois et ça répond jamais. Bon, écoute, j'y ferai ça demain. Allons-y. Mmh. Surtout, de t'inquiéter. Pense à toi, à ton bébé, d'accord? Mmh. Oh! Si, ça va pas? Si, ça va, mais dès qu'on parle d'elle, elle bouge. Bravo, quel joli spectacle. Je vois que vous ne perdez pas de temps, mademoiselle McAllister. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je venais voir si tout se passait bien. Apparemment, j'ai eu raison. Allez, rhabillez-vous. Je vais vous expliquer, monsieur Lambert. Vous n'avez rien à m'expliquer. Je ne crois pas que ce genre de plaisanterie entrait dans le cadre de la mission que je vous ai confiée. Écoute, Jean-Paul, Audrey n'a pas arrêté de travailler depuis qu'elle est ici, alors s'il te plaît. Écoute, Peter, c'est pas toi que j'ai engagé, c'est elle. Je serais ravie de vous donner des explications, monsieur Lambert. J'espère bien. C'est pour ça que je vous attends dans mon bureau. Enfin, quand vous serez remise de vos émotions, mademoiselle. Je suis désolé. T'inquiète pas. Je crois que je vais m'en sortir. Alors, bien attention de vous tenir. Voilà. Hey, Jonathan, regarde comme il est moche ce monsieur. Il a une tête d'horreur. Moi, j'ai dit à putain une tête de limace. Les enfants, vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Ne vous inquiétez pas, madame. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Vous pouvez aller rejoindre votre mari, je m'occupe des enfants, madame. Merci. Bon, José, allez, passez-moi. T'es sûr qu'on va les prendre, ces deux-là? Arrête, allez, viens, tiens. On est mal barré avec deux monstres pareils. Bon, toi, t'arrêtes de gigoter et de faire le clown. Allez, hop. Arrête. Tu vas aller rejoindre tes parents, fais bien attention, tu mets tes pieds. Hé, c'est toi qui as dit que j'étais moche? Non, c'est pas moi. Allez, file.
Arrête de l'embêter. Dire qu'il y en a qui rêvent d'en avoir. T'as fini, oui. C'est à ce moment-là que tu le harponnes. Ouais. Parce qu'une fois qu'il a goûté à l'appât, bah, il peut plus s'en détacher. Et là, tu fais lui ce que tu veux. Ça, j'aurais marché pour moi. Je sais pas, je devrais pas être bonne à pas. Non, moi non plus. Attendez, c'est pourtant simple. L'homme est un guerrier. Il a besoin de chasser, il a besoin de conquérir, il a besoin de souffrir pour que sa proie ait un meilleur goût. Et ça, les filles, il faut s'en servir. D'accord, mais comment? Ben oui, comment, tiens. Mais c'est très simple. Il suffit de lui faire croire que nous sommes des proies. Alors, on se met du rouge à lèvres pour qu'il nous voit bien. On se maquille pour les fasciner avec notre regard. On se met du parfum pour les étourdir et la craque, ils arrivent. Ouais, c'est vrai la raison, c'est un peu comme ça. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Après, quand un homme a mordu, ben c'est simple, tu le balades un peu, là il perd complètement la boule et tu finis par le mettre à tes pieds. Expliquer comme ça, ça semble si logique. Oui, mais... Mais de l'amour, hein, tout ça. Mais c'est ça qu'ils appellent l'amour. Ils en ont pas du tout la même conception. Enfin, je veux dire, l'homme est un objet sexuel, c'est tout. Oh, mais là, t'exagères un peu quand même. Ah non, à peine. Non, la différence, c'est qu'un objet, tu peux faire confiance. Mais un homme, jamais. C'est parce que tu n'as pas assez accéléré. Attends, je vais voir. Hop, ça, ça. T'es prêt? Un peu douce. Ouais, c'est la... C'est la mer, le soleil. Bon. Et là, ça vient. Voilà. C'est bon? Non, bon, tu restes comme ça, tu accélères un peu et voilà. D'accord? On va où? On va faire tour du lagon. On peut pas s'arrêter sur une plage, j'ai envie de nager. Bah, y en a une jolie là-bas si tu veux. Ok, on y va. Vous cherchez quelque chose? Je viens de sonner chez Pierre Hidzi, mais ça répond pas. Vous savez pas, je peux le trouver? Ah non. Je crois qu'il est en voyage. Ah. Et vous n'auriez pas un numéro à le joindre? Parce que son téléphone non plus ne répond pas. Vous êtes un de ses amis? Oui. On s'est rencontrés dans les îles. À Love Island. C'est vrai qu'il est allé là-bas avec sa fiancée. Elle s'appelait comment déjà? Jeanne Garnier. C'est ça. Je peux vous donner l'adresse où je lui envoie son courrier, si vous voulez. Ah, je veux bien, oui. Bon, allez, suivez-moi. Je suis majeure et responsable, monsieur Lambert. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps en dehors de mes heures de travail. Vous avez échoué dans la mission que je vous ai confiée. Peter vous a séduite, c'est bien ça? Personne ne me séduit, monsieur Lambert.
Mais il est vrai que Peter Watson m'offre un certain plaisir que je ne dédaigne pas. Mais ça n'a rien à voir avec ma mission. Moi, je vous ai pas engagé pour faire des parties de jambes en l'air avec lui, mais pour le remplacer à la tête de ses affaires. Je le sais bien. Mais tout être humain a droit à des espaces de liberté, non? Vous essayez de me faire croire que vous pouvez faire l'amour avec Watson et lui résister en affaires 5 minutes après? Quel talent. J'ai toujours su séparer le plaisir du travail. Mais pour moi, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. J'arrive pas à le croire, moi. Ah oui. Je suis prête à vous le prouver dès maintenant. Qu'en pensez-vous? De quoi parlez-vous? Bon, arrêtez là maintenant, arrêtez. Vous n'avez pas envie de moi? Il y a peut-être un endroit un peu plus intime pour en discuter, hein? 201. C'est le numéro de ma chambre à l'hôtel du Parc. J'y vais tout de suite. Vous pouvez m'y rejoindre? Tu crois qu'ils vont se calmer un jour? Mais c'est des gamins, faut mieux qu'ils s'amusent. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe à l'eau. Mais par pas de malheur. Tiens, regarde le petit. T'as vu comment il se penche? Ouais, t'as raison, je vais dire à leurs parents de les surveiller. Ouais, et qui les attache? Exagère pas. Je vous dirai à vos enfants de se calmer, parce que c'est dangereux, là. Ok, venez, les enfants, venez. Bon, ben voilà. On est tranquille pour 5 minutes. Tu sais que t'es génial. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je t'en regardais et je me disais que Nico était un idiot. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il est à Paris que toi t'es là. Bon, on a dit qu'on arrêtait de parler de ça. Il est à Paris pour s'occuper de Jeanne. Ouais, et n'empêche que celle qu'il aime, c'est toi. Jeanne est une fille très gentille, hein. Mais beaucoup trop compliquée pour lui. Bon alors ça y est, on arrête de parler de ça. Si tu veux. Mais... j'aimerais te donner un conseil avant. Fais pas la même bêtise que moi. Quelle bêtise? Tu sais, Hélène, quand on est amoureux, ça se passe pas comme ça. Si on n'est pas assez lucide pour le reconnaître, on est malheureux toute sa vie. Tu parles de Bénédicte, c'est ça? Ouais. Tu vois, après avoir fait toutes les conneries du monde, j'ai beau savoir qu'elle a refait sa vie, là, j'arrive pas à me la retirer de la tête. Tu vois, si j'y avais pensé avant, ben, je serais peut-être pas aussi malheureux en ce moment. Mais enfin bon, on va arrêter de parler de tout ça. Ça, c'est pas vrai, regarde. Hé, regarde le môme. Bah attends, j'y retourne. Oh. Non mais le tout, c'est de changer d'état d'esprit. Alors, à partir de maintenant, c'est l'homme qui devient la proie. Compris? À peu près, à peu près. Mais attends, c'est vraiment notre âge, ce genre de choses. Mais non, c'est pas grave, ça change les idées. Moi, je suis d'accord, je trouve ça rigolo. Bon, alors nous allons passer à la phase travaux pratiques. J'adore les travaux pratiques. Par quoi on commence? Bien, par trouver notre proie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Bon, allez, on change de bistrot. Oh, on va laisser jouer la chance. Le prochain qui rentre, il est à nous. Ah oh bah celui-là, je le laisse. Ça te tente, Ali? Ah, les filles, merci. C'est celui que j'attendais depuis des années. Merci. Celui-là, c'est pour Vera. Je sais pas pour la qualité, mais il y a de la quantité. Non, mais t'es gentille, Johanna, mais j'ai jamais été attirée par le style bulldozer. Bon, allez, on change de place, Johanna. Pourquoi? Parce qu'il faut changer les ondes. Oh, allez, oh. Johanna, allez, bouge. Ok, wait.
super, comme ça je vois rien. Et ben, t'as qu'à nous faire confiance. Tout sauf ça. Attends, il y en a un qui arrive. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Ah, je dirais même très, très bien. Non, 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 bouge pas. Tu vas briser les ondes. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, les filles? On a une merveille devant nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je me lance. Monsieur? Oh. Oui. Dave, oh my god, Dave! Hey, John! Oh my god! Et voilà, on y est. C'est sublime. Bien. Attends, je vais t'aider avec ça. Voilà. Merci. C'est vraiment merveilleux ici. Ouais. C'est un des plus belles plages de l'île. On va s'asseoir un peu sur le sable? Si tu veux. La fille qui était avec toi au watersport tout à l'heure, c'est ta fiancée? Non, c'est juste une... Tu sais, j'avais peur de m'ennuyer pendant ces vacances et grâce à toi, je sens que ça va pas du tout être le cas. Mais pourquoi? Et pourquoi est-ce que t'avais peur de t'ennuyer pendant tes vacances? Je suis toute seule ici alors, tu sais. Oh. T'inquiète pas, tu vas te faire des amis, toi. Ouais. On va se baigner? Si tu veux. Bonjour, j'aimerais parler à Pierre Eddy. Je connais pas. Attends, on m'a dit qu'il faisait suivre son courrier, sinon. Ah ouais? Première nouvelle. Écoutez, j'ai vraiment besoin de lui parler. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, peut-être savoir si vous connaissez d'abord. Et fais pas le mariole avec moi, hein, ok? Qu'est-ce que tu lui veux, Adi? Lui parler. Dites-lui que Nicolas Vernier voudrait le voir, c'est important. Il comprendra. Bon, bouge pas. Je vais voir ce que je peux faire. Je n'aurais jamais soupçonné qu'un tel volcan se cachait sous des dehors aussi rigoureux. Cela vous a plu alors? Ah oui, énormément. Tu peux me tutoyer maintenant? Je ne tutoie jamais mes supérieurs hiérarchiques. Tu me considères encore comme ton supérieur hiérarchique? Monsieur Lambert, j'ai couché avec vous uniquement pour vous faire comprendre que je suis capable de dissocier ma vie sexuelle de mon travail. Bravo. Vous y arrivez parfaitement. Et maintenant que vous n'avez plus de doute, je peux vous dire que vous ne m'attirez, mais pas du tout.
Bon, si vous ne voulez pas perdre de temps, rhabillez-vous. Je vous félicite, vous m'avez bien eu. Le match n'était pas très difficile. Bien, bah, considérons que cette affaire est close maintenant. David, alors tu as resté tout ce temps en Finlande? Oui, ça fait 7 ans que j'y vis maintenant, j'arrive pas à m'en lasser. Mais ça va, il fait pas trop froid? On y va un peu, mais l'été est magnifique. Si vous voyez comme la forêt est belle au mois d'août. C'est quand même incroyable que vous vous connaissiez depuis tout ce temps. Bah, David était au lycée au Texas avec mon petit frère. C'était d'ailleurs un de ses meilleurs amis. Mmh. Et je peux te dire que j'étais très amoureux de toi quand j'avais 12 ans. C'est maintenant que tu me l'as dit. Qu'est-ce que tu veux, tu m'impressionnais. Oh, j'espère que tu as pu te consoler depuis quand même. Ah, c'était dur, mais j'ai réussi. En tout cas, vous parlez drôlement bien français. Ah, c'est normal, je suis français. Mais mon père travaille dans le pétrole. Alors, j'ai beaucoup voyagé avec lui quand j'étais enfant. Et vous êtes marié? Non, je suis célibataire, enfin, pour l'instant. Vous allez passer quelques jours sur l'île, alors? Enfin, j'espère. Une semaine, peut-être plus. Vous êtes en vacances? Non, là, je suis là pour le travail. Ma société vend du bois de construction. J'ai un client important à voir ici. Ah, mais c'est génial, ça. Ça marche bien? Plutôt bien, ouais. Ben, c'est super. Je retrouve un amoureux d'enfance et en plus, il est riche. Bon, mais à David, alors. Tiens. À rentrer. Déjà? Ah, il est presque une heure, tu sais. Ok, on y va. Je vais t'aider avec ça. T'es encore une petite fille. Alors profite de tes vacances. Mais j'ai 22 ans, tu sais. C'est ça, ouais. Et moi, je suis professeur de jet ski. Seulement professeur. Ok, comme tu veux. Blondinette, pareil qu'on vient des îles. Oh, t'as entendu, je t'ai parlé. Ouais, Love Island, j'arrive. Ah ouais? C'est une île de Tarlous, ça. Avec un nom pareil, Love Island. C'est quoi ton genre de mec à toi? Des grandes blondes comme toi? C'est pas des gros cons. Quoi, c'est pour moi que tu dis ça? Pour toi, tes copines qui se marrent. Oh, attends, tu nous prends pour qui, toi? Je vais te la faire avaler, moi, ta gueule de Tarlous. Arrêtez! Qu'est-ce que vous foutez? Ça va pas? Désolé, Pierrot, c'est lui qui a commencé. J'en ai rien à foutre. J'ai pas de bagarre ici. Pensez à les mettre en laisse, tes clébards, là. Ouais, excuse-moi. À part ici. Ça va? C'est du sport quand tu es trouvé, toi? Ouais, j'ai quelques petits problèmes en ce moment. Tu m'étonnes. Mario, sers-nous deux bières dans la salle du fond. C'est parti! Caïd! Eh tiens, déjà de retour tous les deux? Je pensais que vous m'aviez enfin abandonné. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Je vous manquais, Audrey.
Absolument. D'ailleurs, je crois que nous avons pas mal de dossiers à regarder ensemble. Je suis à votre entière disposition. J'espère au moins que votre petit différend avec Jean-Paul s'est réglé. Audrey m'a expliqué les raisons de sa conduite et je les ai comprises. Elle continue donc à travailler pour nous. Audrey. Elle est devenue si proche de toi que tu l'appelles déjà par son prénom ? Écoute, Peter, ça me regarde, ça. C'est bien l'amour. Ça suffit, Peter. C'est une jalousie, c'est pas mon truc. On a perdu assez de temps. On va s'en mettre au travail. Mais je vous ai dit, je suis à votre entière disposition, mademoiselle McAllister. De quoi voulez-vous qu'on parle ? Du dossier APB. C'est vraiment un endroit idéal. Nicolas ne voudra jamais vous le vendre. Vous perdez votre temps. Bon, une fois, je suis d'accord avec lui. Pas si vous me laissez faire. Je suis sûre de trouver un moyen. Tu vois, mon plus gros problème, c'est d'avoir cru que Benny allait m'attendre. Donc tu croyais qu'elle allait te sauter au cou après ce que tu as fait endurer ? Bah, je pensais que j'étais indispensable pour elle, comme elle l'était pour moi. Puis elle a tellement passé l'éponge sur mes conneries que je trouvais ça normal. Ouais, normal, jusqu'au jour où ça casse, moi. Ouais, et ce coup-là, j'ai pas vu venir. Alors quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'elle attendait un enfant de Jimmy, je lui ai dit pas ce que j'ai pris dans les dents. Bah ouais, je comprends. Ça a dû te faire la même chose quand t'as vu que Jeanne était avec Nico. Je savais bien que Nicolas n'allait pas m'attendre éternellement. Tu savais, mais t'espérais un peu quand même. Comme moi, Benny. Qu'est-ce qu'ils font ? Hey, je vais les assommer, ces deux morveux, t'as vu ? Non, mais attends, je vais essayer d'aller les calmer. Tu m'apportes un café, s'il te plaît ? Jeanne n'a pas pu braquer une banque. C'est son frère qui l'entraînait. Et pourquoi elle a accepté ? Tu vis avec elle depuis un petit moment, mais je vois que tu la connais pas. Pour aider son frère, elle est capable de tout. Son frère s'est fait rétamer par des mecs qui lui en voulaient. Il s'est retrouvé à l'hôpital. En sortant, il n'avait plus un rond. Il a voulu se refaire. Il a mis sa soeur dans le cou. Mais voilà l'histoire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? On vous a pris en flagrant délit ou quoi ? Non, non, ils ont réussi à se tirer. Les flics ont trouvé l'argent chez eux. Jeanne est passée à table, elle a tout avoué. Et son frère ? Il est pas inquiété. Elle a tout pris sur elle. Pour être plus à l'aise, il est parti en cavale. Alors qu'il est, il a quitté la France. Mais sans ça, c'est en taule. C'est un pourri. Un naze et un pourri. Donc comment je peux faire pour l'avoir ? Tu peux demander une visite ? Je file le numéro de son avocat. Ok, merci. Tu sais, j'ai essayé de l'aider, mais elle m'a envoyé balader. J'espère que tu réussiras mieux que moi. J'espère aussi. T'es complètement rétabli, apparemment. Ouais. C'est une vieille histoire, maintenant. Jeanne était très inquiète pour toi. Je sais. Je rêve. Non, un mec comme ça, je savais même pas que ça existait. Non, c'est vrai qu'il est mignon, mais bon, je me rends pas compte. Je connais depuis trop longtemps. En plus, il a l'air vraiment bien. Oh, c'est un amour. C'est vrai, vous pouvez pas se voir à quel point il est gentil. Attends, gentil ? Mais il est magnifique ! Mais moi, je passerais ma vie à l'admirer, ce mec-là ! Je crois qu'on serait deux. Attends, et ses yeux ? T'as vu ses yeux ? Oh, c'est ses mains que j'adore. Ah ouais.
Ah, t'as raison. Ses mains sur mon corps bronzé. Ouais, tu as des frissons. Mais les filles, mais calmez-vous un peu, là. Mais t'as vu ce mec? Mais c'est une bombe. En plus. En plus, il est célibataire. Ouais. Ok. J'ai compris. Mais attends, Johanna, mais t'es malade, c'est de la glacée qui sort de là. Je sais, je fais exprès. Enfin, chez moi, pour qu'à mes éléments de route, on jette une sur l'eau froide. Moi, je vais pas vous faire ça, peut-être la clim sera le même effet. Enfin, je peux pas dire que je suis malheureux. Je suis le meilleur ami d'une fille formidable. J'ai un bébé adorable, finalement, tu vois, la vie est belle. J'aime bien ton optimisme. Bah, c'est ça où je saute par la fenêtre, alors, tu vois. Un instant, je vais vous aider. Ça va, je peux me débrouiller toute seule. Je vous dois combien? Une heure, ça fait 20 dollars. J'ai mes affaires dans la cabane, je reviens. Et ça s'est bien passé? Waouh. Il y a des moments où j'ai vraiment envie d'échanger de métier. Pourquoi? Elle a l'air gentille? Elle est adorable. Bon, tu m'aides à remonter la jet? Ouais. Et la prochaine fois, j'essaierai un autre prof. Mais avec plaisir, mademoiselle. Sans problème. Et dis-moi, l'autre prof, c'est moi? Ah bah tu sais... Il n'y a que deux. Tiens, prends ça. Alors dis-moi, Hélène. Quand Nico va revenir, tu vas lui dire que tu l'aimes? Le vent se lève. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer, je suis inquiète pour les enfants. Change pas de conversation. Mais le vent se lève vraiment. Et je crois que c'est plus prudent de rentrer, surtout avec ces enfants-là, tu vois. Ouais. Mais fais gaffe quand même, parce qu'ils ont mis un soupe pas possible dans les cordages. Ouais, t'inquiète pas. Excusez-moi, il va y avoir un coup de vent. Il vaudrait mieux se mettre à l'abri dans la cabine, c'est plus prudent. Pourquoi? Il fait beau. Ben oui, je sais, mais bon, faites-moi confiance, j'ai l'habitude. Bon, comme vous voulez. Allez. Non, on va rester sur le pont. Oh, tu sais, faut être raisonnable, mon bonhomme, on n'y peut rien.